Yo les BG, c'est Izu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Space Engineers. Donc, la dernière fois, on s'en était arrêté à faire l'ascenseur. Donc, on a au moins fait la trappe de l'ascenseur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu amélioré. Bon, il y a quelques trous, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça c'est normal. Du coup, là, j'ai augmenté après jusqu'ici. Alors, ce que j'ai dû faire aussi, c'est que j'ai dû creuser. Donc, il y a une partie que je dois creuser à la main. Voilà, c'est celle-ci. Je vais creuser celle à la main pour justement faire un carré parce que en gros l'intérieur ici, oula je suis descendu un peu trop bas, l'intérieur ici je l'ai juste amélioré, enfin j'ai juste agrandi, juste rajouté un de chaque côté. Ça passe du 4 sur 4 sur 4 je crois, 1, 2, 3, 4, 5, voilà 4 sur 5, ça un peu plus grand quoi. Du coup c'est pour ça que je dois tout creuser à la main, mais pardon excusez-moi, mais par contre ça sera beaucoup mieux. Là ce qu'on va faire aujourd'hui, hop j'ai enlevé ça. Full, on va attendre comme ça. Là, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est que je fasse un ascenseur. Donc, j'ai réfléchi à plusieurs designs d'ascenseurs. Au final, j'ai trouvé, bah, écoutez, le plus simple. Le plus simple. Sachant que vu qu'il y aura les blocs, logiquement, il devrait se faire suivre. Enfin, il devrait suivre, il devrait pas trop avoir de problème. Du coup, on va regarder. Alors là, ce qui m'embête un peu, c'est pour. Je vais ça là, hop. Parce qu'il me faut un peu des plaques et ceux-là j'ai pas trop envie de les perdre, donc enfin, du coup c'est juste une plaque hein, mais en fait là ce que je voudrais faire c'est activer ma nanobot, mais en fait le problème c'est que ça va crafter pendant que je suis en train de construire et ça risque de me gêner plus qu'autre chose. Alors du coup le design, hop, ça va être ce qu'on va faire, c'est que ça va pas être compliqué. 2 3 et 4, voilà. 4 comme ça, lui on va le faire descendre jusqu'ici et on va remettre un comme ça et comme ça lui au moins on peut continuer à faire ça. 1, 2, 3, 4, hop. Comme ça. Alors là ce qu'il faut faire c'est que ce qui serait bien c'est que je le mette là, le problème c'est qu'il y a ça qui gêne. Alors, il va falloir vraiment que je fasse gaffe qu'il n'y ait pas quelque chose qui bloque. Parce que si ça bloque, ça risque de tout casser très vite. Donc là, je pense que ça devrait le faire. On va faire ça là. Vraiment que. Logiquement, j'ai calculé pour que ça passe pile poil ici. Hein. Après, le problème, c'est que j'ai peur qu'avec la collision et le décalage. J'ai peur que ça passe pas. J'ai juste peur que ça passe pas. Bon, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, déjà, on va essayer de faire comme ça. On verra comment ça se passe. Voilà, 1, 2, 3, 4. Ah oui, du coup, oui. Ah ouais, je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis au même niveau. Du coup, voilà, faut que j'en mette là. 2, 3, 4, ça, hop, hop. Alors du coup j'ai calculé, il m'en faudra après une trentaine. Je pense qu'une trentaine ça devrait le faire. Je pense qu'on va le mettre comme ça aussi. Hein. On est à combien là? 4 et 4, 8. On est qu'à 12 là pour l'instant, ça va être tendu, mais bon, on va essayer. Hop. Il veut pas se mettre pourquoi. Ah, ici, ok, on a vu. Ok. J'espère juste que je vais en avoir assez. Ça me fait un peu peur parce que vu la place que j'ai. Comme ça, ici. Et on continue comme ça. Hein. On va faire ça jusque là parce que sinon je sens que je vais être embêté jusqu'à la fin. Ok.
Ok. Je vais embêter. Impossible de placer bug de blindage. Ah, parce que celui-là il est décalé. Ça m'embête un peu du coup. Ça m'embête un peu. Ok, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ça. Là, on est à combien là? 4 et 4, 8. 8 et 8, 16. 16, 17, 18, 19, 20. J'ai que 20 là. Sinon, est-ce que je peux essayer de... Non, parce que du coup, si je fais pas ça... Bon, écoutez, ce que je fais... c'est qu'en fait, je pensais avoir la place, mais j'ai l'impression que c'est une galère plus qu'autre chose. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais une petite ellipse. Comme ça, au moins, je réfléchis à comment le rendre compact, et on se retrouve juste après. Alors, ça y est, j'ai fini. Alors, ce que j'ai fait... Ah, j'arrive pas à passer. Allez, ok. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai... Excusez-moi, j'ai continué à creuser beaucoup plus bas. Et ben, j'en ai rajouté. Là, j'en ai à peu près... je crois que j'en ai 12 d'un côté, 11. Ça fait 23. Et là, j'en ai... Entre 24, 25, 26, 27, 28, 29. Voilà, j'en ai 29. Du coup, je pense que là, ça doit être bon. C'est juste des pistons les uns sur les autres. J'ai fait exactement la même technique que je vous ai montré juste avant. Sauf qu'en beaucoup plus grand. Ce que j'ai fait aussi, c'est que... Alors, je suis bien content parce que ça passe nickel. Par contre, ce qui va me faire peur, c'est... J'ai peur que ça casse tout. Quand ça va monter. Alors, si vraiment c'est le cas, si vraiment je sens que ça galère et tout, je mettrai des rampes. Comme ça, au moins, moins de frottement. Et je pense que ça passe mieux. C'est juste que voilà, il y aura des rampes sur le côté. Ça sera juste plat au milieu. Mais c'est pas trop grave vu que c'est un ascenseur. Hein, complètement, c'est un ascenseur, donc c'est pas trop grave. Donc là, bah écoutez, ce que je fais, c'est que je vais lancer mes nanobots. Logiquement, j'avais assez fait de plaques. J'en ai combien? Il y en a 1600 ici. 300 là, il y en a 17 000 ici. Logiquement, il y a assez de plaques. On verra ce que ça donne. Alors. Ok, non. Ce qu'on va faire déjà, c'est que oui. Alors. F8. Ah, bah attendez. Bah, vu que je suis là... Parce que j'ai lancé ici. Ok, non, c'est bon. C'est pour regarder s'il se bloquait pas. Elle est où la base? Là. Ah ouais, c'est vrai que. C'est vrai que ça va un peu trop vite. Alors. où je suis là? Sur le toit là. Ok, là je suis là. Ok. C'est de l'autre côté. Très bien. Je suis perdu. Ah, c'est là, ok. Hop là. Donc là, bah écoutez, je pense que c'est bon, tout est pris. Au niveau de la hauteur, ça s'arrête ouf. Ah non, je suis à l'envers, ok. Donc là, il va falloir que je les descende un peu. C'est pas celui-là. On va le faire descendre au moins qu'il touche là. Ok, donc je sais qu'il y en a qui montent. Hein. Pendant que je fais ça, il y en a qui montent, ça je le sais. Ça je le sais. Malheureusement, je peux rien y faire. Est-ce que si je fais ça... Est-ce que c'est bien en dessous? Bah, écoutez, oui, ça c'est bon. Par contre, vous avez vu, au milieu, alors je sais pas si... Ah, je pense que là, ça a pas crafté ici. Il y a juste un endroit qui va pas crafter. Bon, c'est pas grave. Au pire, je ferai attention. Là, ok. Et au niveau de la hauteur, ça va jusque... Ok. Bon, bah, nickel. Nickel. Alors. Là, ça crafte à l'intérieur. On est d'accord. Ça va être juste... non, parce que lui, il va crafter là. Ok, je vais juste... Hop. Retirer ça parce que ça sert à rien qu'il me les craft. Ok, ça c'est bon. On va réparer
les petites bêtises qu'il y a eu tout à l'heure. Tac, tac, tac. Bon, au pire, ce que je fais, c'est que je réparerai au fur et à mesure. Comme ça, moi, les nanobots, ils vont directement les prendre. Et ça m'évitera à moi de les prendre un par un. Ok. 9. Et du coup, bah écoutez, ce que je fais, c'est qu'on lance petite ellipse du craft et on se retrouve juste après. Bon, après 2 heures et demie à peu près, j'ai enfin trouvé quelque chose de potable. Alors pourquoi ça m'a pris autant de temps? Parce que beaucoup de choses sont arrivées, notamment vu que ce côté-là il n'était pas terraformé, ben c'est que ça se rentrait dedans, du coup ça se cassait, donc j'ai perdu énormément de pistons, énormément de ressources. Là, je pense que si je fais un tout droit là-bas, là. Je pense que je dois avoir peut-être une centaine de pistons qui sont en train de voler. Du coup, voilà. Donc j'ai trouvé ça. Donc j'ai eu plusieurs pistons. Comme bon bah comme le début, hein, ce que j'ai rajouté. J'en ai remonté un petit peu. Par exemple, lui qui est venu là. Par exemple, lui qui est venu là, je l'ai fait descendre juste à peine ici. On voit même plus. J'ai tellement rebouché qu'on voit même plus. Enfin bref. Du coup, voilà, j'ai mis un peu des pistons de partout. Ça marche. Ça marche. Alors que du coup, je voulais vous montrer. Et je pense qu'on va stand-by l'ascenseur ici. Je vous montre ce que ça donne. Et après, comme ça. Parce que j'aimerais bien avoir des conseils. Parce qu'il est ballant de ouf. Enfin, je veux dire, j'ai partagé l'inertie. Donc là, je vous montre. Oh, tac, 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 tac. Histoire ascenseur. Donc j'ai bien partagé le tenseur d'inertie. Sauf que du coup, le problème. Donc j'étais obligé de faire ça. Aussi, obligé d'en mettre plus en max. Sinon, bah, ça se frotte sur les murs et ça part pas. Sachant qu'il n'y en a qu'un. Je vais juste en mettre 4. Donc bien sûr, hein, bien sûr, dessus il faudra absolument que je mette un générateur de gravité, sinon ça va être la galère. Donc là du coup je vais vous montrer quand j'appuie dessus. Voilà, donc ça part vite. Mais bon, d'un côté il y a 350 mètres, donc le but c'est que ça parte vite. Donc là en vrai la montée elle se fait relativement bien. Donc en vrai voilà. Donc ça pourquoi? On va dire que ça prend 10 secondes pour aller jusqu'en haut. Sauf que le problème c'est que quand on arrive en haut. Voilà, c'est ça le problème que j'ai. C'est que ça ballon. Et si je suis dessus. Et ben c'est un problème du coup. Ça va arriver un moment, ça finit par se calmer, mais. Mais voilà, ça. C'est un peu. Voilà. Je sais pas trop comment expliquer, c'est un peu ballon. Alors, si quelqu'un a une astuce. Ou pourquoi pas carrément une astuce pour refaire tout l'ascenseur, que ce soit une astuce pour éviter ce tremblement, ou alors une astuce que ce soit un ascenseur, parce que j'avais pensé à faire des ascenseurs avec des propulseurs, activer les propulseurs qui me pousseraient vers le haut, et avec des blocs quand j'arriverai en haut, bah, du coup ça me bloquerait, et pour descendre pareil. Sauf que du coup, enfin la montée, j'avais compris, enfin je pense avoir compris comment faire pour la montée avec les propulseurs, que du coup je fais un cube et dès que le cube bah, il touche le plafond, en soi bah, ça stoppe tout.
Mais en fait, le problème, c'est que c'est pour la descente. Comment arriver en bas et que ça stoppe tout sans que tout ça casse? Sachant que pareil, plus je vais monter, plus je vais prendre de vitesse. Donc en vrai, c'est beaucoup de questions. Donc c'est pour ça que je pense qu'au niveau de l'ascenseur, il est fait. Pour l'instant, bien sûr, c'est un prototype pour l'instant. C'est pour ça que j'attends vraiment vos retours pour me dire à peu près ce que je pourrais faire. Donc voilà, si quelqu'un a une idée, je dis pas non. Même j'en demande une si possible. Et du coup voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on va continuer. On va essayer de faire la plateforme. Alors, ce que je vais faire, c'est que je regarde, que je fasse pas de bêtises. Ok, on va prendre celle-là là. Hop. Et on va relier ici. Voilà. Voilà, je pense que là, je suis bon. Donc voilà, donc là, ce que je voudrais faire, c'est au moins faire la plateforme. Donc je vais pas la crafter tout de suite. Alors, j'avais hésité, je sais pas si je la fais côté ici, côté entrée ou côté extérieur. Bon, je pense plutôt que. Je pense que je vais la faire côté entrée, je pense. Je pense que ça sera plus. Meilleur. Pareil, je compte faire un peu dans les comment ça s'appelle? Dans le sous-sol, je pense faire un peu pour mettre les nanobots et pour mettre. Parce que pareil, il faudra que je monte les convoyeurs jusqu'ici. Comment vous expliquer que monter les convoyeurs jusqu'ici, ça risque d'être un peu. Ah! Ah, pardon, c'est celui-là que j'ai mal dit, je comprenais pas. Parce que pareil, voilà, ça, faut que je monte les convoyeurs. Et pour les monter jusqu'ici, ça commence à me coûter pas mal de choses. Hop, hop. Voilà, je vais essayer de faire un truc un peu en arc de cercle. Enfin, faire vite, parce qu'il faut faire gaffe parce que quand on fait ce genre de plateforme, faut pas oublier que ça se dépense très vite. Ah, parce que là, le but c'est. Voilà, comme, en fait, en gros, là, vous avez vu, il y a déjà quelque chose pour les nanobots. C'est parce que j'avais essayé de le faire, mais j'avais oublié que j'avais complètement zappé qu'il fallait, bah, il fallait ramener les ressources jusqu'ici. Du coup, c'était un peu compliqué. J'ai plus de bloc d'acier. Ok, en vrai, voilà, je voudrais faire un truc un peu comme ça. Bah, revenir en arc de cercle et pourquoi pas faire un truc plus droit ici. Ou alors continuer à faire un gros arc de cercle, parce qu'il faut vraiment la place pour faire mon vaisseau mère, hein. Il faut vraiment de la place. Je me dis comme ça peut être pas mal. Et après pour rendre un petit peu la chose un petit peu RP, je vais essayer de faire des petits piliers qui s'accrochent à la stéoride. Ça peut être stylé. Ça peut être stylé. Bon bah écoutez, ce que je fais, c'est que là. Hop. C'est que je fais une petite ellipse. Ce que je fais, c'est que je construis au moins la plateforme. Et on se retrouve dès que j'ai fini de construire la plateforme. Bon, du coup, voilà, à peu près ce que ça va donner. Hop. C'est quand même une bonne plateforme. Bien sûr, j'ai pas encore fait les pieds que je voulais faire. Voilà, ça fait quand même une bonne plateforme. J'aime bien, ça va. Comme ça, moi, dessus, je pourrais faire mon gros vaisseau mère, il pourra se poser dessus. Pareil, ce qu'il faudra que je ramène. Donc, je pense que dans les piliers que je vais faire, pour faire le genre RP, que ça tienne. Dedans, je vais mettre les convoyeurs. Comme ça, au moins, je pourrais me poser avec le vaisseau mère et tout envoyer à partir d'ici. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc voilà, pareil, si au niveau de l'ascenseur vous avez une idée, en vrai, je suis preneur.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, parce que j'ai plus le temps, ça m'a pris énormément de temps cet ascenseur, c'était horrible. Du coup, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Je crois que j'ai pas eu de commentaires, je crois, dans notre vidéo, je crois que j'ai pas eu de commentaires. Mais c'est pas grave, si vraiment il y en avait eu, je le ferai dans le prochain épisode. En tout cas, bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Merci beaucoup ceux qui pourront m'aider pour cet ascenseur de l'enfer, hein, je l'appelle l'ascenseur de l'enfer. Du coup, voilà, en espérant que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée. Comme d'habitude, c'était Izou et je vous dis ciao tout le monde!